Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons voir un certain nombre d'arguments utiles pour traiter un sujet de dissertation ou du moins des sujets de dissertation sur l'état, le terme d'état, la notion d'état. Voilà, c'est un peu cela. Les 10 arguments contre la présence de l'état en société. Nous en verrons aussi 10 aussi qui favorisent l'état en société. Pour le moment, voyons les 10 contre l'état en société. L'État est l'ennemi de la liberté du citoyen, car toute autonomie de l'individu comme du peuple est une menace à son pouvoir. L'État n'est pas justifié au sein d'une société, c'est à cause de lui que l'homme est enchaîné. Numéro 3. L'État est facteur d'oppression, car il suppose l'obéissance des citoyens. Or, toute obéissance entraîne nécessairement une limitation de la liberté. L'État apparaît comme la négation de la liberté de l'individu. Il exerce une oppression plus ou moins forte sur lui en réglementant sa vie sociale par des lois. L'État restreint la liberté et veille à ce que personne ne fasse rien de plus que ce qu'il est en droit de faire. L'État est absence de liberté du citoyen, car il se fonde sur une renonciation de chacun à sa liberté naturelle. L'État camoufle les inégalités en prenant le masque de l'intérêt général et empêche l'instauration d'une classe, d'une société sans classe. L'État impose des bornes aux libertés de chacun. L'État empêche le citoyen d'exercer sa liberté dans sa plénitude. Il contraint chacun à obéir, à adopter une nouvelle façon de vivre contraire à notre état de nature. L'État est l'ennemi de la liberté du citoyen puisqu'il met en place des règles qui l'oppressent et l'empêchent de réaliser ses désirs. Les 10 arguments sur la nécessité de l'État au sein de la société. Numéro 1. Une société sans État est remplacée par l'anarchie, un monde de non-règles qui reviendrait à remettre en place la situation des premiers hommes, celle de la loi du plus fort. Le mot même de société renvoie toujours directement ou indirectement à celui d'État, au même titre qu'on ne saurait imaginer un État sans société à gouverner. Il est impossible de concevoir une société sans autorité qui la gouverne. La suppression de l'État entraîne presque systématiquement celle de la société, qui devient un simple groupe d'individus nécessité et qui peut donner suite à la mise en place d'un autre État injuste. L'État est indispensable car son absence dans la société réinstaure la loi du plus fort, qui sera désormais la règle principale au-dessus de cette nouvelle société. L'État est le garant de l'unité nationale et de l'intégrité du territoire. C'est lui qui unifie et réconcilie la population en cas de différend. L'État est indispensable car la liberté individuelle, en l'absence de tout contrôle et de toute régulation légale, ne peuvent que menacer l'ordre social. L'État est la seule instance capable de mettre fin à la violence naturelle et à la lutte de chacun contre chacun. L'État institue une organisation de vie collective et garantit la sécurité des individus. Il a pour but d'atténuer les conflits et non pas de les réactiver. L'État, par ses lois, protège les individus les plus faibles contre les plus forts, en vue d'instaurer ainsi la paix et la tranquillité la plus recherchée. L'État inspire certes l'effroi, mais il discipline par là les volontés pour permettre d'assurer la paix. La soumission à laquelle sont contraints les citoyens au sein de l'État n'est pas arbitraire et injuste. Bien au contraire, elle est la seule garantie à la justice par chacun de sa liberté.
Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Abonnez-vous. Ciao. Bye.